Salam alaykoum wa rahmatoullah. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Alhamdoulilah. Tayyib, donc, je dis alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله في cette soirée du mercredi 12 ربيع الأول 1437 de l'Hégire correspondant 23 décembre 2015 إن شاء الله تعالى c'est le cours numéro 33 dans le mal et le remède de Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Et comme vous avez remarqué que j'ai un peu retardé car je n'ai pas pu me connecter. Là. C'est-à-dire, il n'y avait même pas le Windows quand j'allumais. Subhanallah al-Azim, c'est adib. Mais alhamdoulilah, ça va, Allahu a'lam. Tayyib. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit: n'aura pas estimé Allah Azza wa Jal à sa juste valeur celui qui prétend qu'il ne donne pas la vie et la mort, qu'il ne ressuscitera pas ceux qui sont dans les tombes et qu'il ne rassemblera pas ses créatures en un jour où Allah Azza wa Jal rétribuera le bienfaisant pour sa bienfaisance et le malfaisant pour sa malfaisance, où il prendra le droit de l'opprimer à celui qui lui a causé une injustice, où il honorera ceux qui ont enduré les difficultés en cette vie pour lui, en ce qui comporte sa satisfaction par la plus grande de ses grâces, où il exposera à ses créatures sur quoi ils divergent, et où il montrera à ceux qui ont mécru qu'ils étaient menteurs. N'aura pas estimé Allah Azza wa Jalla à sa juste valeur celui qui méprise son ordre et lui désobéit. Il méprise son interdit et le commet. Méprise son droit et le néglige. Méprise sa mention et son détourne. Celui qui préfère ses passions à la recherche de sa satisfaction Azza wa Jalla. Et pour qui l'obéissance vouée aux créatures est plus importante que celle qui lui voue. Allah n'obtient que l'excédent de son cœur, ses paroles et ses actes, alors qu'un autre a priorité en cela, puisqu'il est plus important pour lui. C'est comme quelqu'un qui aime quelqu'un. Il n'est plus qu'Allah Azza wa Jal. Donc il ne donne à Allah subhanahu wa ta'ala que l'excédent de son cœur, ses paroles et ses actes, alors qu'une autre personne a priorité en cela, puisque cette personne est plus importante pour lui. Il a dit, il minimise le regard et la connaissance d'Allah sur lui, alors qu'il est dans sa poigne et que son toupet est dans sa main. Et il révère le regard et la connaissance des créatures sur lui, de tout son cœur et ses membres. Il est gêné devant les gens et n'est pas gêné devant Allah Azza wa Jal. Non. Il craint les gens et ne craint pas Allah Azza wa Jal. Il se comporte vis-à-vis des gens aussi bien qu'il le peut. Et il se comporte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala de la manière la plus vile et méprisable qu'il puisse. S'il se met au service de celui qu'il aime parmi les gens, il le fait avec application, effort et sincérité, en lui vouant totalement son cœur et ses membres, et en lui donnant priorité sur nombre de ses intérêts. Et si par contre, s'il veut respecter un droit de son Seigneur,
si la prédestination l'y aide, il le fait d'une manière que les gens n'accepteraient pas. Et il lui accorde à Allah Azza wa Jal de ses biens ce qu'il serait gêné de donner à une autre personne. Celui qui agit ainsi, a-t-il estimé Allah Azza wa Jal à sa juste valeur? A-t-il estimé Allah Azza wa Jal à sa juste valeur celui qui associe à Allah Azza wa Jal son ennemi en ce qui est son droit exclusif, comme vénération, glorification, obéissance, humiliation, soumission, peur et espoir? S'il lui associe en cela la plus proche de ses créatures, ce serait une insolence et une atteinte à son droit exclusif, un mépris, et une association entre lui et d'autres en ce qui ne convient qu'à lui. Alors que dire lorsqu'il lui associe la plus éloignée de ses créatures, la plus méprisable et la plus abhorrée de lui, et qui est son véritable ennemi? Ceci, car on n'a adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal que Shaitan. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, أَلَمْ أَحَدْ إِلَيْكُمْ يَبَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ وَأَنْ اِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ Sourate Yassine 60-61. Ne vous ai-je pas ordonné, ô enfants d'Adam, de ne pas adorer Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré. Et ne vous ai-je pas ordonné de m'adorer? Voilà un chemin bien droit. Et lorsque les polythéistes ont prétendu adorer les anges, leur adoration a été vouée aux démons. Alors même qu'ils pensaient adorer les anges. Comme Allah Ta'ala a dit, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ Sourate Saba 40-41. Et le jour où il les rassemblera tous et dira aux anges, est-ce vous que ces gens-là adoraient? Allah Ta'ala connaît la réponse. Mais c'est pour que les gens entendent c'est quoi la réponse des anges. Est-ce vous que ces gens-là adoraient? Ils vont répondre, gloire à toi, subhanallah. Tu es notre allié en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt les djinns en qui la plupart d'eux croyaient. Non, ils adoraient. Donc beaucoup de gens, c'est une preuve que beaucoup de gens adorent les djinns et croient qu'ils sont en train d'adorer les anges. Beaucoup de gens adorent les djinns et les shayatins et ils leur font croire que nous sommes des anges et que nous sommes envoyés par Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla est ravi de vous et comme ça. Yawm al-Qiyamah, imaginez la grande perte. La grande perte. Non. Ibn al-Qayyim dit, Shaitan, Satan appelle donc le polythéiste à l'adorer, en lui faisant croire qu'il est un ange. De la même manière, les adorateurs du soleil, de la lune et des astres prétendent qu'ils adorent l'esprit de ces astres, qui leur parlent et répondent à leurs besoins. Ainsi, lorsque le soleil se lève, Satan s'y joint. Les mécréants se prosternent devant le soleil, mais leur prosternation lui est vouée, de même au coucher. Aussi, celui qui adore le Messie et sa mère ne les adore pas réellement, mais il adore Satan, car il prétend adorer celui qui lui a ordonné de l'adorer avec sa mère, celui qui a agréé et commandé cela, et celui qui a fait tout ça, est Satan le maudit, et non le serviteur et messager d'Allah. Tout ceci a été révélé dans sa parole. Ne vous ai-je pas ordonné, ô enfants d'Adam, de ne pas adorer Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré? Et ne vous ai-je pas ordonné de m'adorer? Voilà un chemin bien droit. Yassine 60-61. Ainsi, aucun homme n'a adoré autre qu'Allah, quel que soit cet être adoré, sans que cette adoration ne soit vouée au shaitan. À Satan. L'adorateur jouit de l'être adoré dans la réalisation de son objectif. Et l'être adoré jouit de l'adorateur dans la vénération qui lui voue et dans l'association à Allah Azza wa Jal qui lui octroie, qui représente le summum de la satisfaction de Satan. C'est pourquoi Allah Ta'ala a dit,
يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. الأنعام 128. Et le jour où on les rassemblera tous, on dira, ô djinn, ô djinn, vous avez abusé des humains. Ô djinn, vous avez trop abusé des humains. Naam. Trop, hein. Les djinns, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait yani, un massacre. Naam. Ils ont même poussé certains gens à les adorer. À les adorer. En leur sacrifiant des bêtes, en buvant le sang des bêtes mortes, en faisant mille et une choses. Et vous savez maintenant qu'il y a ce qu'on appelle les adorateurs de Satan. Non, des adorateurs de Satan. Maintenant, ils sont répandus un peu dans le monde partout. Il y en a même en Algérie. Subhanallah al-Adim. Quand j'étais au Koweït là-bas, il y en avait. Les adorateurs de Satan, Shaitan. Moi, j'adore pas Allah, j'adore Shaitan. Shaitan, naam, a été lésé. On lui a fait de l'injustice, comme ça ils disent. Les satanistes, naam. Shaitan a été lésé. Naam. Juste pour que, il n'a pas voulu se prosterner. Voilà, yani, il a été maudit, il a été chassé du paradis, il a été ceci, cela. Donc, on doit le défendre. On doit le défendre. Il a été lésé. Imaginez. Subhanallah al-Adim. Autant de Abu Jahl, autant de Abu Lahab, autant des grands kuffars, autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais ils n'ont dit ça. Ils n'ont dit, nous, yani, on adore Allah Ta'ala. Juste que, yani, on peut pas l'adorer comme ça directement, on est sale, on est souillé, donc on l'adore par l'intermédiaire des statues. Mais jamais on accepte de suivre le shaitan. Mais ceux-là, ils disent non. Nous, on adore carrément le shaitan. Et on adore pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, est-ce qu'il y a plus grand péché que cela? Subhanallah al-Azim. C'est étonnant. Les âmes, ce sont des gens, la plupart de ceux qui, des satanistes qui adorent le shaitan, la plupart sont des gens, comment on appelle ça? Sont des étudiants à la fac, la plupart. D'après la vidéo que j'ai vue, la plupart des étudiants et des étudiantes à la fac. Subhanallah al-Azim. Ibn al-Qayyim dit, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire dans leur fourvoiement et égarement. Ensuite, la cité dit le verset, وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. الأنعام 128. Et leurs alliés parmi les humains diront le jour du Yom al-Qiyama, bien sûr, ô Seigneur, nous avons profité les uns des autres et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Il leur dira, l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement. Sauf si Allah en décide autrement. Vraiment, ton Seigneur est sage et omniscient. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Lorsque il leur dira, oh, communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala va dire? Plutôt, eux vont dire, oh, notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres. Donc, chacun a profité de l'autre. L'autre a profité du shaitan, naam, parce qu'il lui ramène des choses, il lui vole des choses, il lui ramène, il lui dit ce qui s'est passé dans le passé, hein, parce qu'il a entendu des choses, il est au courant de certaines choses, pas de l'avenir, du passé. S'il lui dit de l'avenir, il lui ment. Il va se passer ceci, cela, c'est pas vrai, l'autre va le croire, bien sûr. Il va le croire. Non. Et le shaitan a profité de lui, pourquoi? Parce qu'il l'a adoré. Il est content, j'ai été adoré, on m'adore, on me vénère, on me respecte, on m'aime, naam, on sacrifie à cause de moi, on fait ceci, cela à cause de moi, il est tout content. Donc ils ont profité les uns des autres. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dit, ceci est une allusion concise à la raison pour laquelle le polythéisme est le plus grand des péchés majeurs auprès d'Allah. Qu'il n'est pas pardonné sans repentir, qu'il entraîne l'éternité dans le châtiment, et que son caractère illicite et son abomination
ne sont pas uniquement dues à son interdiction, mais il est possible qu'Allah Azza wa Jal légifère pour ses serviteurs une adoration pour autre que lui. De même qu'il est impossible, une seconde, quand j'ai dit il est possible, plutôt, mais il est impossible qu'Allah Azza wa Jal légifère pour ses serviteurs une adoration pour autre que lui, de même qu'il est impossible qu'il contredise les attributs de sa perfection et les caractéristiques de sa majesté. Comment penser que celui à qui appartient seule la seigneurie, la divinité, la grandeur et la majesté permette qu'on lui associe en cela, ou qu'il l'agrée. Qu'Allah Azza wa Jal soit élevé très au-dessus de cela. Nouveau titre, le polythéisme et l'orgueil s'opposent à l'obéissance. Puisque le polythéisme est ce qui s'oppose le plus à la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a créé les créatures et établi les commandements, il est le plus grand des péchés majeurs auprès d'Allah Azza wa Jal. Il en est de même pour l'orgueil et ses conséquences, ainsi qu'il a précédé, car Allah Azza wa Jal a créé les créatures et révélé les livres afin que l'obéissance lui soit vouée à lui seul. Et le polythéisme et l'orgueil contredisent cela. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal a interdit le paradis aux adeptes du polythéisme et de l'orgueil, les deux. Ainsi, celui qui possède dans le cœur le poids d'une petite fourmi d'orgueil n'y entrera pas au paradis, comme d'après les hadiths authentiques vous connaissez tous. Celui qui possède dans le cœur le poids d'une petite fourmi d'orgueil n'y entrera pas au paradis. C'est pour cela que celui qui possède l'orgueil dans le cœur doit quoi ? Doit s'en désavouer. S'il sait qu'il a l'orgueil dans le cœur, qu'est-ce qu'il fait ? Il doit s'en désavouer. Et faire le repentir. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider à ce qu'il le chasse pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint. Et le cœur saint ne doit pas comporter deux ou trois choses. Entre autres quoi ? Entre autres l'orgueil. Il doit s'efforcer à devenir modeste. Yani s'habituer et faire tous ses efforts pour qu'il chasse l'orgueil et devienne modeste. Bi-idhnillahi ta'ala. 74, titre numéro 74, parler sur Allah sans science. On est en train de citer, des péchés majeurs, bi-idhnillahi ta'ala. Parler sur Allah Azza wa Jal sans science. Suit cela dans le méfait, le fait de parler sur Allah Azza wa Jal sans science, concernant ses noms, ses attributs et ses actes. De le décrire d'une manière contraire à celle dont il s'est décrit, ou dont le messager, son messager, l'a décrit. C'est là la chose la plus opposée, la plus contraire à la sagesse de celui qui possède la perfection dans la création et l'ordre. C'est également une atteinte faite à l'essence de la seigneurie et aux spécificités du Seigneur. Si cela est fait avec science, si on parle sans science, en sachant cela, avec science, c'est un entêtement pire que le polythéisme. Et, de plus, grand péché auprès d'Allah Azza wa Jal. Le polythéiste qui reconnaît les attributs du Seigneur est meilleur que celui qui renie et rejette les attributs de sa perfection. De la même manière que celui qui reconnaît la royauté d'un roi ne renie ni sa royauté, ni les attributs octroyés par la royauté, mais qui lui donne un associé en certaines choses qui le rapproche de lui, celui-là est meilleur que celui qui renie les attributs du roi et ce qui fait de lui un roi. C'est une chose établie dans toutes les natures et raisons saines. Que dire alors du dénigrement et du reniement concernant les attributs de perfection ? Par l'adoration d'un intermédiaire entre l'être adoré, en toute vérité, et le serviteur, duquel il tente de se rapprocher
par l'adoration de cet intermédiaire, en le glorifiant et le vénérant. La maladie de la négation, ta'til, est une maladie incurable, n'ayant aucun remède. C'est pourquoi Allah Azza wa Jalla l'a mentionné du leader des négateurs, c'est-à-dire Pharaon, le Pharaon, qu'il renia ce dont Moussa l'informa lorsqu'il lui dit que son Seigneur était au-dessus des cieux. Il a dit وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانَ ابْنِي لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَظُنُّهُ كَذِبًا. Sourate Ghafir 36-37. Et Pharaon dit Ô Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux. Non, les voies des cieux, et apercevrai-je le Dieu de Moïse. Mais je pense que celui-ci est un menteur. Ce qui prouve que Moussa a.s. lui a dit que Allah Azza wa Jal se trouvait au-dessus des cieux. Pharaon a dit, je pense que Moussa est un menteur. Moussa, c'est-à-dire Allah Ta'ala, n'est pas au-dessus des cieux. Allah Ta'ala est partout. Cheikh Abu Hassan al-Ash'ari, rahimahullah ta'ala, a argumenté contre les négateurs par ce verset dans ses ouvrages. Et nous avons mentionné ses propos en d'autres endroits. Nur Qayyim rahimahullah ta'ala dit, le fait de parler sur Allah sans science et le polythéisme sont corrélatifs. C'est-à-dire parler sans science, ça donne parler en Allah sans science, ça donne polythéisme. Et le polythéisme donne aussi le fait de parler sur Allah Ta'ala sans science. Puisque les innovations qui égarent sont une ignorance des attributs d'Allah et un reniement de ce dont il a informé, ainsi que son messager à son sujet, par obstination et ignorance, elles comptent alors parmi les plus grands péchés majeurs, même si elles sont en deçà de la mécréance. Elles n'ont pas atteint le stade de mécréance, mais elles font partie des plus grands péchés majeurs. Elles sont plus aimées de Satan que les péchés majeurs. Comme l'a dit un pieux prédécesseur, il a dit, l'innovation est plus aimée de Satan que le péché. Car on se repent du péché, alors que on ne se repent pas de l'innovation. Donc l'innovation est plus aimée de Satan que le péché. Car on se repent du péché, alors que on ne se repent pas de l'innovation. Iblis a dit, j'ai amené le fils d'Adam à la perte par les péchés. Et ils m'ont conduit à la perte par le demande de pardon et la parole de la ilaha illallah. Naam. Il a dit, lorsque j'ai vu cela, j'ai propagé parmi eux les passions, l'ahwa, il veut dire ici les bid'a. Ah, ainsi, ils commettent des péchés et ne se repentent pas, car ils pensent bien agir. Vous savez tous que la bid'a, c'est plus grave que le grand péché, car il y a d'abord le shirk. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Donc, je ne sais pas quand est-ce que j'ai perdu la connexion. La bid'a est pire que les grands péchés, d'accord. Donc, la bid'a est pire que les grands péchés. Parce que celui qui fait la bid'a, parce que celui qui fait le grand péché, il sait dans son cœur que c'est un grand péché. Et il a des remords. Et tôt ou tard, il finira par demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et va se repentir. Tandis que celui qui fait la bid'a, il croit qu'il est sur le droit chemin. Au contraire, c'est toi qui te trompes, pas lui. Donc, puisque pour lui, il ne s'est pas trompé, donc il ne demandera jamais pardon. Est-ce que quelqu'un qui ne s'est pas trompé demande pardon? Il ne demande pas. Celui qui demande pardon est celui qui s'est trompé. Donc il ne sentira jamais qu'il est en faute. Et par conséquent, on ne demandera jamais pardon. On va prendre l'exemple de... Ce soir, par exemple, ici en Algérie, ce soir, maintenant, c'est la fête du Maulid. Maulid Nabawi, qu'on appelle. La naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous entendez les pétards qu'il y a là, derrière moi.
Peut-être vous n'entendez pas, mais si quelqu'un va sortir dehors, il va s'étonner. Donc, tu vas dire à quelqu'un que yani, ce que tu fais là ne se fait pas, il te dit, c'est pas possible. Là, ça, c'est le prophète Aslam est né en ce jour. Au contraire, c'est vous qui ne fêtez pas cela qui est en erreur. La preuve, vous n'aimez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous l'aimiez, vous aurez acheté des pétards et des bougies, etc., et vous aurez fait un certain plat, etc. Donc nous, quand on fait ce maulid, on fait ça, ça veut dire, c'est une preuve qu'on l'aime, et on l'aime plus que vous. Et vous, quand vous ne fêtez pas cela, ça veut dire que yani, vous n'aimez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam autant que nous. Donc maintenant, ça c'est quoi? Ça c'est une bid'a et c'est un mubtadi'. Donc va toi maintenant lui expliquer cela pour qu'il comprenne. Il ne comprendra jamais, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève le voile qu'il a sur le cœur. Si Allah ta'ala l'aide et lui enlève le voile qu'il a sur le cœur, peut-être qu'il comprendra. Naam. Donc c'est ça la différence entre le mubtadi' et celui qui fait le péché, même s'il est grand. Il dit ici, où est-ce qu'on était? Il est connu, écoutez bien, il est connu que le pécheur ne cause de tort qu'à sa personne. Il est connu que le pécheur ne cause de tort qu'à sa personne, alors que l'innovateur cause du tort à autrui. L'épreuve de l'innovateur concerne un fondement de la religion, alors que celle du pécheur naît des passions. Le pécheur, pourquoi il a bu de l'alcool? C'est ses passions qui l'ont poussé. Alors que l'innovateur, pourquoi il a fait ça? Naam, c'est à cause de la religion. Naam, il a d'après lui, yani, quelque chose dans la religion qui l'a poussé à faire cela, alors qu'il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc, sa faute se trouve dans la religion, alors que l'autre, sa faute se trouve dans les passions, c'est tout. Il dit, alors que celle du pécheur n'est des passions, l'innovateur obstrue, fait un obstacle aux gens la voie droite d'Allah Azzawajal. Alors que pour le pécheur, il n'en est rien. Le pécheur, au contraire, il peut même boire de l'alcool et t'avertir, te dire, attention mon fils, il ne faut pas boire de l'alcool, c'est pas bien. C'est haram. Mais moi, c'est plus fort que moi, ça fait 30 ans que je bois, je ne peux pas m'arrêter. C'est mes passions qui me poussent. L'alcool, ça marche dans mes veines. Je suis alcoolique. Mais attention, mon fils, c'est haram. Faut pas boire l'alcool. Tandis que le mubtadi', non. Le mubtadi', il te dit, toi, tu es un égaré. Nous, en fait, le maulid d'aujourd'hui, toi, tu le fêtes pas. Vous n'aimez pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes des égarés. Et comme ça, que Allah Ta'ala nous préserve. L'innovateur dénigre les attributs et la perfection du Seigneur. Alors que pour le pécheur, il n'en est rien. L'innovateur dénigre les attributs et la perfection du Seigneur. Alors que le pécheur, pour le pécheur, il n'en est rien. Au contraire, il glorifie Allah. Allah Ta'ala a tous les bons noms, les beaux attributs. C'est moi le fautif, c'est moi le shaitan. L'innovateur s'oppose à ce qu'a apporté le messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors que pour le pécheur, il n'en est rien. Naam. Le mubtadi' s'oppose à la charia et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que pour le pécheur, il n'en est jamais cela. Il te dit, moi j'aime Allah, Allah est témoin que je l'aime et que c'est seulement, yani, je suis en train de suivre les passions et le shaitan. Mais Allah est témoin que je l'aime et que, yani, je voudrais ne pas faire ce que je suis en train de faire. L'innovateur, jamais il te dit cela. Il te dit, moi, ce que je fais, je ne le délaisserai jamais. Je suis sur la vraie voie. C'est toi qui es dans la faute. C'est toi qui fais la bid'a, pas moi. L'innovateur obstrue aux gens le chemin de l'au-delà, alors que le pécheur chemine lentement en raison de ses péchés. Non, le pécheur, il va vers l'au-delà, mais doucement, 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 à cause de ses péchés.
Alors que l'innovateur, il obstrue aux gens le chemin de l'au-delà et leur met une barrière entre eux et le chemin de l'au-delà en propageant ces bid'as, naam, et ces choses qu'il a inventées de sa tête et que le shaitan lui a fait croire que ce sont des choses que Allah Ta'ala aime et avec lesquelles il voudrait être adoré. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Le prochain cours, inshallah ta'ala, l'injustice compte parmi les plus grands des péchés. L'injustice compte parmi les plus grands des péchés. Avant de terminer, je me suis rappelé, à chaque fois je voudrais vous dire cette chose et j'oublie. Mais cette fois, alhamdoulilah, Allah ta'ala m'a aidé, j'ai pas oublié, je vais vous le dire, inshallah ta'ala. Il y a beaucoup de gens qui me demandent quand est-ce qu'on reprend les cours, c'est-à-dire les trois cours par semaine, au lieu de faire seulement ce livre. Normalement, c'est Salatat au sol, Salat au sol, et celui-là, ce livre, et on continue Sharh al-Sunnah de Imam al-Barbahari, rahimahullah ta'ala. Je dis, inshallah ta'ala, la réponse c'est quoi? La réponse c'est que dès qu'on termine ce livre, dès qu'on on termine ce livre, le mal et le remède, on commence le programme normalement bi-idhnillahi ta'ala. Voilà la réponse, inshallah ta'ala. Dès qu'on on a fini le livre, ce livre, on commence, inshallah, yani, Thalathat Usul et Sharh al-Sunnah de l'Barbahari, rahimahullah ta'ala. Préparez vos questions, on se rencontre, yani, dans 5-10 minutes. Dès que vous êtes prêts, prenez le micro et dites-le moi, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, je n'allais pas faire de questions-réponses, car j'ai des invités. Et ensuite, j'ai dit, ma'alish, je vais faire, inshallah ta'ala, je vais répondre aux 5 premières questions, bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib, c'est quoi la première question? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khayran ya shaykh pour ce cours et pour le temps que vous nous accordez. Donc, je vais passer à la première question. Question qui demande, hafidhakumullahu shaykh, qu'Allah vous rétribue en bien ainsi que les admins. Je sais que ma question peut être hors sujet du cours, mais elle est très importante. Demain, les gens vont célébrer Mawlad al-Nabawi. Allahu musta'an. Serait-il possible, cher, que vous nous adressiez en direct à ma mère en arabe courant pour lui expliquer que cela est une bid'a? Car malgré les preuves que j'ai pu lui apporter, elle reste accrochée à cela, prétextant que tout le monde fête la tradition, au point où elle pense que je suis extrémiste et elle a des propos inappropriés à mon égard. Cette intervention serait très importante car cela la toucherait fi haqq bi-idhillahi wa ta'ala. Et ainsi que mes frères et sœurs qui ne veulent pas la fêter tout comme moi. J'aimerais savoir quel comportement adopter face à cette situation envers ma maman, car j'ai l'appréhension du lendemain car j'ai peur de causer des disputes au sein de ma famille. Excusez-moi pour la longueur de ma question. Jazakallahu khayran kathiran. Tafaddal ya cheikh wa jazakallahu khayran. Quand elle a dit en arabe dialectal, ça veut dire en arabe algérien ou là, autre chose? Derija algérienne, bien sûr. Algérien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Had al-mawlid al-nabawi hada, العلماء يقولوا بلي بدعة. واش حاب يقول بدعة؟ حاب يقول بلي الرسول صلى الله عليه وسلم ما وصاش، ما قالش كي نموت مثلا نديروا عليا هكذا. ثانيا، واش الدليل بلي هذا ما كش منه؟ واش الدليل؟ احنا زعما نحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام اكثر من اللي يحبوه الصحابة، اكثر من اللي يحبوه التابعون والتابعون التابعين؟ ابدا. ما كاش واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم احتفل بالمولد تاع النبي صلى الله عليه وسلم. المولد هذا بدا في وقت الشيعة الفاطميين في وقتهم 300 ولا 400 سنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام اللي داروه في وقت الشيعة بدا. فلو صح الإنسان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لو صح يحبه لازم يدير واش أمره وما يديرش الشيء اللي نهاه عليه، وهو نهى باش نحتفلوا بهذا المواليد تاع كاع الناس، لان المولد هذا في اصله تاع النصارى ماشي تاعنا. النصارى هما اللي عندهم لانيفرسير، المسلمون ما عندهمش اصلا لانيفرسير. اللي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم تاع الصح
يتبعوا في الأوامر تاعو، يلبس كيما هو، يطبق الشريعة تاعو، يتخلق بالأخلاق تاعو، يصوم الاثنين والخميس وهكذا. ماشي يعني مرة في العام يروح يطيب المواكل ويجيب المحارق ويقول يشعل الشمع ويقول هذا دليل باللي نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. بالعكس، لما تدير هذه مرة في العام دليل باللي ما تحبوش تاع الصح. تتفكروا انت غير مرة في العام تجي تشعل الشمع وطيب طيب الرشتة ولا طيب الطعام مرة في العام، كون جيت صح تحبه وكان مقتدي به يعني، وتفكر باللي كيفاش الصحابة هذو رضي الله تعالى ما داروهش وحنا نديروه، كيفاش الأئمة الكبار الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة هذو كبار العلماء حتى واحد منهم ما قال باللي كاين مولد النبوي. نجو حنا زعما نزعموا باللي زعما يعني نحبوه أكثر من هاد الناس ونحبوه أكثر من العلماء ونحبوه أكثر من السلف الصالح وأكثر من الصحابة، ما كاش منها. ثم كاين حاجة أخرى، ما كومش تسمعوا، كاين حاجة أخرى يقول باللي يقول الآن باللي أو من الناس كامل راهم يديروه. أنت سلك راسك من النار، سلك راسك من جهنم، أنت ما تشوفش شو يديروا الناس، شوف ربي واش قال وشوف الرسول عليه الصلاة والسلام واش قال، هذا هو اللي يهمك. وكان تبع الناس، الناس يدوك الجهنم. ربي سبحانه قال في القرآن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قالك لو كان تبع هادو أكثر الناس أو يضلوك من الطريق قاع، وتولي ماكش في الطريق تاع ربي سبحانه. إذن أنا وش راح لي في الناس إذا كامل حبوا يروحوا الجهنم؟ أنا ما نتبعهمش. وكان الناس غدوة يدي سيدي وقاع يقولون نبداو نشربوا شراب نتبعهم؟ وكان الناس غدوة قاع يقولون بطلوا الصلاة نتبعهم؟ ما نتبعهمش. أنا نتبع العلماء كما قال ربي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش نتبع الناس، نتبع العلماء ونتبع الأنبياء ونتبع القرآن ونتبع السنة، هاولي كوش لازم لي، أنا ما نتبعش الناس. المهم كنت على سور كي فيان تبوزي لا كيسيون il dit comment يعني j'ai l'appréhension du lendemain, j'ai peur de causer des disputes au sein de ma famille etc. Tu n'as pas à faire de disputes avec ta famille. Ta famille, tu leur montres les dalils, ils acceptent. Alhamdulillah. Ils acceptent pas. Alhamdulillah aussi à la kulli hal. C'est contre eux. C'est contre eux. Et toi, tu as fait ce qu'il fallait faire. Donc, celui qui veut fêter, il est libre. Moi, je veux pas qu'il fête. Mais s'il veut fêter, il est libre. Moi, je m'éloigne de lui, c'est tout. Je reste pas dans la chambre où il fête. S'ils font le manger du maulid, je mange pas. Et comme ça, c'est tout. Moi, maintenant, je viens de rentrer dans la cuisine pour manger. J'ai trouvé mon fils. Naam. Il a ramené. Moi, je savais pas. J'ai trouvé quelque chose qu'on fait spécialement pour le maulid. Ça s'appelle, ici en Algérie, ça s'appelle rishta. Quelque chose de vraiment bon à manger. Il y avait une cuisse de poulet. On a ça, déjà j'avais faim. J'ai dit alhamdoulillah, alhamdoulillah. Je me suis assis. Ensuite lui il m'a rappelé. Il m'a dit je viens de ramener ça des voisins. Aujourd'hui c'est maulid. Il m'a pas dit ça parce que c'est haram pour qu'on mange pas. Mais c'est pour que moi je mange pas. Et lui il mange le poulet. Mouhim, j'ai pas mangé. Ah, j'ai dit Allahu Akbar, Alhamdulillah que tu m'as rappelé ça. Alhamdulillah que tu m'as rappelé ça. Et j'ai pas mangé alors que dans mon cœur je voulais manger. Mais comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, tout repas qu'on prépare à cause d'une bid'a, il faut pas en manger. Il faut pas en manger. J'ai mangé un peu de soupe, Alhamdulillah. Ça me suffit. Un peu de soupe, mieux que. Un peu de soupe. Et le ravissement d'Allah, mieux que manger du poulet et avoir Allah subhanahu wa ta'ala en colère contre lui. Naam. Et mon fils a essayé de dire que lui il ne savait pas et ça n'y a été bon et que il a juste demandé à son ami qu'est-ce qu'il a mangé et c'est tombé qu'il y avait ce manger avec du poulet. Donc pour lui c'est pas il a mangé mais pas à cause du maulid et comme ça. Naam. Donc pas de dispute. Moi j'ai dit on mange pas ça. Et moi je mange pas. Et je t'ai dit que, comme je lui ai dit, Jahannam, elle est entourée de quoi? Entourée de passion. Et le paradis entouré
makarih, des choses qu'on n'aime pas. Donc, si tu manges, non, c'est poulet, etc., c'est bon, c'est ça, Jahannam, justement. Al-Muhim, voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse, bi'illah Ta'ala, je ne fais aucune dispute. Je montre seulement aux gens, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas. Celui qui est yani, convaincu, alhamdoulilah, il n'est pas convaincu, c'est plus fort que moi, je ne peux pas le convaincre. Maintenant, si je le commande, d'accord. Mais si je ne le commande pas comme ma mère ou là mon père ou là, je ne peux rien faire, bi'idzillah ta'ala. Maximum, c'est que je ne mange pas et je ne participe pas. Tfadal. Jazakallahu khairan, ya Sheikh. Donc, nous allons passer à la prochaine question. Question numéro 2. Question numéro 2. Qu'Allah vous accorde sa miséricorde, je voudrais savoir que signifie la parole du verset de la page 196 où il est dit « Sauf si Allah en décide autrement ». Cela signifie-t-il que les mécréants qui sont voués à l'enfer éternel sortiront peut-être un jour du feu si Allah en décide ainsi? Qu'Allah vous bénisse. Tafadhal ya Sheikh, wa jazakallahu khayran. Certains, c'est comme ça qu'ils ont dit. Certains, c'est comme ça qu'ils ont dit. Entre autres, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, qui est de l'avis que l'enfer, un de ces jours, il va finir et il n'y aura plus d'enfer. Un de ces jours, il n'y aura plus d'enfer et il n'y aura que le paradis. Donc c'est l'un des avis de certains savants comme Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et aussi de Cheikh l'Islam alayhi rahmatullahi ta'ala. Sinon, l'avis de la plupart, c'est le contraire de cela. Et que le paradis et l'enfer resteront éternellement. Et c'est l'avis de la plupart, de la grande majorité, si je puis dire, des savants, des salafs, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Tfadal pour la troisième question. Jazakallahu khayran ya Sheikh. Nous allons passer à la troisième question. Donc, troisième question, je ne peux pas dire si c'est un frère ou une sœur, puisque le pseudo ne me le permet pas. Donc, Jazakallahu khayr, vous avez parlé de l'orgueil. Est-ce que se vanter sur quelque chose fait partie de l'orgueil? Comme le fait de se vanter d'être bon dans un sport, ou se vanter d'être bon en mathématiques, ou se défendre en disant ses qualités quand on se sent humilié. Est-ce que cela rentre dans l'orgueil? Non, j'insiste, cher, sur la dernière partie, en disant ses qualités quand on se sent humilié. Donc, est-ce que tout ceci fait partie de l'orgueil? Attention, il y a une différence entre dire les vérités, entre se vanter. Quand j'ai eu 18 en mathématiques. Non, quand on est en train de parler, toi, combien tu as eu? Toi, 10, 12, 15, moi j'ai eu 18. Non, ça ne veut pas dire que je suis en train de me vanter. Mais se vanter, c'est quoi? C'est sentir quelque chose dans le cœur. Comme quoi, je suis le meilleur, je suis le plus haut, je suis le plus grand, je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis ceci, je suis cela. Ça, on entre dans le fait de se vanter. Sinon, on peut dire des choses qui sont vraies, mais sans se vanter. Prenons le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, authentique. Lorsqu'il parlait de son oncle, Abu Talib, il a dit, « Laoula ana, laoula ana, la kana fi d-darkil asfal min an-nar. » Il a parlé de son oncle, il a dit que il sera le moins châtié au Qiyama. Il a dit, si ce n'était moi, il serait dans le plus bas fond de Jahannam. Si ce n'était moi. Est-ce qu'ici il est en train de se vanter? Si ce n'était moi. Non, mais c'est ça la vérité. Si ce n'était pas moi, le fait que je sois prophète et que je sois que j'ai fait pour lui une intercession spéciale, Naam, il serait dans le plus bas fond de Jahannam. Donc il faut faire la différence entre quand on dit une vérité, naam, juste pour la dire, et quand on dit une chose en l'accompagnant de certains sentiments dans le cœur qui font que on voudrait se montrer qu'on est le plus haut, le plus grand, le plus respecté, le plus ceci, le plus cela. Wallahu ta'ala alam. Tfadhal. Allahu khayran ya Sheikh. Vous m'avez fait rire quand vous avez dit je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Je me suis dit, attention qu'ils ne découpent pas cette partie. Et après ils disent, regardez, Cheikh Chalabi, il est en train de se vanter. Il ne faut pas l'écouter. Allahu Akbar. Alors, je vais passer à la quatrième question. Quatrième question qui dit, qu'Allah récompense le Cheikh ainsi que les admins. Comment expliquer à une personne qui défend une innovation et qui, lorsqu'on lui rapporte une parole des savants sur le Maoulid, par exemple, elle argumente en disant qu'il ne faut pas trop écouter les savants
mais se baser sur le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tafadhal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Qu'Allah récompense un ainsi que les adouines. Comment expliquer à une personne qui défend une innovation et qui, lorsqu'on lui rapporte une parole des savants sur le Maulid, par exemple, elle argumente en disant qu'il ne faut pas trop écouter les savants, mais se baser sur le Coran et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On dit à cette personne, il n'y a pas plus grand jahil que toi. Comme ça, on dit à cette personne. On lui dit, écoute, il n'y a pas plus grand jahil et ignorant que toi. Il va dire, pourquoi ? Justement, on va lui dire parce que on va appliquer ce que tu as dit, toi. Tu as dit qu'il faut seulement se baser sur le Coran et le prophète. Alors, le Coran a dit, fas'alou ahl al-dhikr in kuntum ta'lamoun. Le Coran a dit, in kuntum la ta'lamoun. Le Coran a dit, il faut demander aux savants. Et toi, tu dis, il faut pas demander aux savants. Le Coran dit, fa'idlahu ladina amanu minkum ladina utul ilm darajat. Que Allah Ta'ala élève les savants. Et toi, tu dis, non, il faut pas les écouter. Et le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a dit, innama al-ulama'u warathatul anbiya. Il a dit, les savants sont les héritiers du prophète. Donc tu vois, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam est parti et il a laissé son héritage, ce sont les savants. Et toi, tu dis, il ne faut pas écouter les savants. Il n'y a pas plus grand jahil que toi, on dit à cette personne. Il n'y a pas plus grand jahil dans le monde plus grand que toi. Naam. Tafadhal. Allahu fik wa jazakallahu khayran. Donc, cher, vous avez dit 5 questions. Donc, on passe à la 5e et dernière question. Question d'une sœur qui demande, Allah pardonne-t-il à un associateur qui se repent? Car durant votre lecture, j'ai cru comprendre la question à quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Sourate 4, verset 48. Jazakallahu khayran. Tafadhal ya Cheikh. Jazakallahu khayran. Naam, il y a certaines bases dans la aqida qu'il faudrait yani, comprendre par cœur et faire d'elle, yani, les mettre dans le cœur, mettre ses bases dans le cœur et ses règles et yani, faire un nœud, yani, les nouer pour que jamais elle ne quitte le cœur. Ce sont des choses yani, qu'il faut savoir, comme ça par instinct tu dois répondre et dire. Par exemple quoi? Par exemple, 2 ou 3 choses. La première, par exemple, que toute personne qui meurt croyante rentrera éternellement au paradis. Par exemple, tout croyant qui meurt croyant, pourquoi je dis qu'il meurt croyant? Car il est possible qu'il soit croyant et avant de mourir, il a annulé sa croyance. C'est comme les ablutions. Tu as les ablutions, ensuite, à 5 minutes avant de prier, tu perds les ablutions. Un gaz ou bien en allant aux toilettes. Alors, toute personne qui meurt, mouahid, croyant, sa dernière demeure sera le paradis éternellement. Ça, c'est une règle qui n'a pas d'exception. Il n'y a pas un croyant qui meurt sur la croyance qui ne rentrera pas au paradis éternellement. Bien sûr, il se peut que, avant de rentrer au paradis, il passe par l'enfer. Ça, c'est autre chose. Mais la finalité, c'est qu'il sera éternellement au paradis. Deuxième règle, il n'y a pas quelqu'un qui meurt associateur ou bien polythéiste. Associateur veut dire polythéiste. Ou bien kafir, mécréant tout court, sans qu'il ne soit éternellement en enfer. Il n'y a pas. Il n'y a pas un kafir qui yani, échappera de cette sanction qui est, il sera éternellement en enfer. Donc de là, on va sortir une autre règle, laquelle aucun mécréant ne rentrera au paradis, jamais. Ne serait-ce qu'une seconde. Aucun mécréant ne rentrera au paradis, ne serait-ce qu'une seconde. Et une autre règle, aucun mécréant ne sortira du paradis, jamais de la vie. Aucun mécréant ne sortira du paradis. Maintenant, une autre règle est la dernière par rapport à cette question. Toute personne qui, dans sa vie, a fait n'importe quel péché, les plus grands péchés du monde, a insulté Allah subhanahu wa ta'ala du matin jusqu'au soir pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans. Est-ce qu'il y a plus grave que d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala? Ensuite,
a demandé pardon, s'est repenti, a regretté et a essayé de se rattraper. Cette personne, Naam, si elle meurt comme ça, dans cet état, maintenant elle a regretté, elle commence à prier, ceci, cela, elle a regretté, Naam, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah, elle sera entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle sera entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Elle est morte, afouan, dans la croyance, mouahid, Naam, elle s'est repentie. Et le hadith a dit le repentir, annule et annule aussi. Annule tout ce qui l'a précédé. Si cette personne que je viens de citer a été sincère, Allah Ta'ala lui pardonne. Sincère dans son repentir, Allah Ta'ala lui pardonne. Donc il n'y a pas un péché dans cette vie qui est impardonnable. Qui est impardonnable. C'est pour ça que le verset qui dit, certes Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne quelque chose. À part cela, il pardonne à qui il veut. Allah Ta'ala est en train de parler à celui qui fait ça et meurt dans cet état. Il est en train de parler à celui qui va le rencontrer, va rencontrer Allah Ta'ala dans cet état. Après avoir, quoi, lui associer quelqu'un. Mais si par contre cette personne avait fait le repentir avant de mourir, ça changerait tout. Donc le verset qui dit qu'Allah Ta'ala ne pardonne pas à celui qui lui fait un associé, ça veut dire s'il le rencontre ainsi, s'il meurt ainsi, il n'est pas en train de parler de s'il fait le repentir. Mais allez, j'ai une autre question, inshallah ta'ala, il a andak. Naam, barakallahu fika, cheikh. Naam, alhamdulillah, kain. Donc, sixième question d'une sœur qui demande qu'Allah vous préserve et vous comble de ses bienfaits. Est-ce qu'une personne qui suit une innovation par ignorance est considérée comme innovatrice? Est-ce qu'une personne qui suit une innovation par ignorance est considérée comme innovatrice? Tafaddal, cheikh, wa jazakallahu khair. Est-ce qu'elle est ignorante? On va dire d'elle qu'elle est tombée dans, elle est tombée dans la bida, elle est tombée dans l'innovation et n'est pas innovateur. Il y a une différence entre tomber dans la mécréance et être mécréant. Tomber dans l'innovation et être innovateur. Elle devient innovatrice quand on lui montre les délits et elle n'accepte pas. Et continue. Dans ce cas, elle est quoi? Une innovatrice. Sinon, quelqu'un peut être dans la sunna, mashallah, et tomber dans l'innovation, faire quelques innovations, alors qu'il ne sait pas. Mais c'est un sunni, même, c'est un sunni, il ne sait pas. Il fait quelques innovations. Ensuite, quand on les lui montre, alhamdoulilah, il les délaisse. Naam. Mais si maintenant il continue, malgré qu'on lui a montré, les savants lui ont montré, naam, il devient innovateur. Il devient innovateur, bi'idnillahi ta'ala. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, on arrête ici. J'ai des invités. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, samedi. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.